Eh bien, plop tout le monde, c'est Taroïdo. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur les quêtes montagnennes. J'en ai aucune idée d'où j'en suis. Et j'informe déjà que je vais sûrement rush les quêtes aujourd'hui. Et donc, je vais sortir beaucoup de vidéos montagnennes prochainement. Donc, il y aura un petit peu moins du reste. Alors, malgré les informations que tu m'as apportées, le conseil refuse toujours l'envoi des troupes dans les plaines rocheuses, prétextant que Bonta ne peut pas passer d'autant d'hommes en cas d'attaque prakmarienne. Cet argument est d'autant plus étonnant que les espions n'ont constaté aucun mouvement de troupes significatif à Brakmar. Je n'ai aucun intérêt de t'envoyer dans la gueule du Mulou, par conséquent je vais te confier une autre mission, peut-être en rapport avec ces bandits. Nos convois de marchands vers Astrup sont pris dans des embuscades ces derniers temps. Ta tâche est d'escorter le convoi suivant, de le protéger et si possible de récupérer des indices sur ces bandits. Ce sont peut-être les mêmes que précédemment. Tu peux faire des préparatifs, il faut t'attendre à devoir combattre. Le convoi t'attend à la sortie sud, mais je n'ai pas pu affecter d'autres miliciens à l'escorte, car j'ai dû les dépêcher en urgence un peu partout en ville. Les encours publics ont été ouverts par des personnes malveillantes durant la nuit, et les dragodins sèment le bazar dans la cité. C'est vraiment un jour de malchance. Vite, va voir Girl. Elle dirige les convois. N'oublie pas de venir me faire ton rapport lorsque le convoi sera arrivé à destination. D'accord, bon déjà, on se rend compte qu'il y a un petit complot. Il y a un petit complot. Danator, non. Pour moi, c'est pas Danator. Je dois aller où? Ouais, c'est exactement là où je pensais. Atelier paysan. Ah, j'ai beaucoup de gamins maintenant. J'en avais autant avant. Je sais pas. Alors, non. J'ai l'impression que le jeu est en mauvaise qualité. Non, non, c'est bon. Alors, Girl. Bonjour, bonjour, vous êtes un commerçant? Non. Négociant, marchand, itinérant, trafiquant peut-être? Non plus. Dans ce cas, je ne peux rien pour vous. J'organise les convois à destination d'Astrub. Je dois vous escorter. Vous souhaitez escorter le convoi? Mais c'est une gênante proposition. Tous les bénévoles sont bienvenus. Vous êtes bénévole, bien sûr. Vous ne souhaitez pas être rémunéré pour ça, j'espère. Dans le cas contraire, sachez que je dispose de soldats veillants et bon marché. Vous allez nous suivre et vous assurer que rien de fâcheux ne puisse survenir. Oh, un petit détail. Les soldats ont pour ordre de ne jamais discuter pendant le trajet, donc vous n'allez pas les perturber, compris? Puisque vous êtes là, vous allez partir en éclair. Ça vous évitera de tailler la bavette avec mes gardes. Alors, ok, on va faire le trajet, bien sûr, c'est pas les MMORPG, les MMORPG en temps réel, hein, tu vas pas l'avoir qui te suit, bon, c'est un peu dommage, un peu triste, mais bon, hop, ouais, bah en fait, je devrais plutôt suivre la route, donc le convoi est ici, ah, ça suit quand même, pour l'instant, rien à signaler, pas étonnant, puisque nous venons à peine de quitter l'avant-poste. Je peux pas parler avec eux. Ah, c'est déjà indiqué, d'accord. C'était ça l'indicatif. Comment ça s'appelle? L'indicatif vert. Donc on suit la route. De toute façon, voilà, en fait, il suffit de suivre la route. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Hop. Une petite pause pour casser la croûte ne fait pas de mal. Vous n'avez rien pris pour vous remplir le ventre? C'est dommage. Moi, j'ai toute une réserve de brioches dorées, diverses confitures et même quelques friandises. Vous en voulez? Il fallait penser à en acheter avant de partir. Je suis un montagnien, madame. Je ne mange pas durant le travail. Enfin, je ne grignote pas durant le travail. Surtout de la brioche dorée avec de la confiture. Blah. C'est pas bon la confiture. J'aime pas la confiture. Le tournesol a l'air clairement stupide. Mais bon, moi je me rappelle l'époque où en fait les potions de Bonta c'était trop cher, donc on utilisait ce chemin là. Toujours pas de bandits en vue? C'est presque dommage, ce voyage est un ennui. Vous voulez bien faire quelques bouffonneries pour me divertir? Non, tant pis. Ben oui, je suis pas un bouffon, moi, hein, désolé.
Désolé, ma petite dame. J'ai l'impression que le son a saturé un petit peu. Donc je le diminue, hein, on verra bien. C'est chiant parce que s'il n'a pas saturé, c'est-à-dire que je vais devoir le réaugmenter au montage. La route du haut. Oui, la route du bas, elle mène où? Déjà, c'est la forêt. Non, d'accord, c'est pour aller. C'est pour le zap. Il y a trop de routes dans le coin, c'est un peu le bordel. La route du bas. D'accord, c'était la même route. Nice. Nice, nice. Alors, finalement, nous avons eu de la chance. Chaque kilomètre parcouru nous rapproche un petit de notre destination et diminue le risque de se faire attaquer. Mais moi, en fait, je voulais qu'on se fasse attaquer. Puis surtout, là, je bosse gratos, donc c'est un peu chiant. On peut pas faire une halte à la foire du troll, non? Il y a toujours des trucs. Je sais pas que si ce sont des joueurs qui mettent des trucs ou si c'est quelque chose d'aléatoire. Parce qu'il y a souvent du bordel. Il y a souvent plein de trucs ici qui ont aucun rapport et on sait pas trop d'où ça vient. Écoute, il n'y a pas de secret. Le meilleur moyen de devenir riche, c'est de gagner des millions de kamas. Tu veux savoir comment faire pour en gagner autant? Approche un peu plus près. Je ne veux pas que tout le monde entende. Pour gagner des kamas, c'est très simple. Il suffit de ne pas révéler, de ne révéler à personne tes sources de revenus. Astucieux, tu ne trouves pas? Et c'est pourquoi je ne fais plus d'astuces kamas sur la chaîne. Parce que, en fait, bah déjà en fait c'est chiant. Ensuite parce que j'en ai pas. Mais aussi parce que bah ça les tue. Voilà. Je crois que c'est une critique aux youtubeurs justement. Je sais pas. Alors, girl, rien à signer, vous aviez tort de vous inquiéter finalement. Quoi? Oh non, sauvons-nous. Ils sont là. Ils sont beaux. Ils sont chauds. Ils sont poilus. Ce sont les handicapés. Et ils sont faibles. Mais c'est un détail. Enfin, c'est quand même des AKFib, donc c'est cheaté. Et il est même pas mort, genre. 29 PV. Vous pouvez éviter de vous battre tout en haut. C'est chiant à voir. De réaliser un beau zoom en haut. Ah bah il prend quand même cher lui. Lieutenant, il est à peine plus puissant. Alors, non, c'est lequel qui a pas de PV? Celui qui est là? Ouais, bah tant pis. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Vous allez mourir pour le bien de Bonta. En fait, je ne me souviens même plus pourquoi. Ah non, ils ont fait un meurtre, je crois. Je crois qu'ils ont fait un meurtre d'un mec important à Bonta. Oh, je me souviens plus du tout. Je sais plus exactement.
Ouais, bah tant pis. Ah oui, c'est un marchand de vin qui a disparu, d'accord. Oui, je suis allé voir. Un peu de respect. T'es pas mort, toi? Bah là il me reste à prier qu'il ait pas assez de dégâts. Et bah si. Je reviens. Donc il semblerait que vu que j'ai échoué mon machin, j'ai connecté Syria absolument pour rien. Génial. Donc il faut retourner voir un héros. Racontez votre défaite. Aïe, tu n'as pas réussi à protéger le couvoi. C'est très embêtant. Les bandits pensent se sentir à l'abri de leur audace et leur audace va augmenter. Toutefois, nous sommes pas encore au pied du mur. J'ai fait une réunion avec le conseil et malgré quelques réticences, j'ai réussi à obtenir son aval pour tendre un piège aux bandits. Un bijou d'une grande valeur sera transporté jusqu'à Astrub. Mais j'ajouterai quelques miliciens d'élite aux gardes. Nous espérons que la valeur des bijoux attirera le chef des bandits et que nous pourrons le capturer. Nous nous sommes aussi arrangés pour que la nouvelle se répande, afin qu'il soit au courant. Pourrais-tu aller chercher le bijou chez Marge la bijoutière? Tu es la personne à qui j'ai le plus confiance pour ça. Oh, tu as confiance en moi. Merci. 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 C'est la même quête? Oui, c'est la même quête. Hop. Je me relève un peu. Alors. Alors, bijoutier. Très bête que je fasse plusieurs quêtes à la fois. Ouais. Ah, je suis deg d'avoir perdu. Mais j'ai mal joué. J'ai mal joué. Bonjour, je suis la propriétaire de la bijouterie Bec Doré. Que puis-je pour vous? Le bijou. Ah, mais Hiro t'a envoyé chercher le bijou. C'est étrange. Un Xelor vient juste de m'apporter une lettre et m'a demandé de le remettre au prochain client. Tiens, je te la donne avec le bijou. Cette lettre vous a été remise par l'intermédiaire. Amenez le bijou à Ekusok. Ubnan, à la taverne de la Chope au Bois. Ce sera plus rapide pour nous et plus lucratif pour vous. Amener le bijou à Meiro ou pas? Je reviens. C'est dommage qu'on n'est pas dans un RPG, j'aurais... Alors, regardez. Alors. Ah, je vois que notre proposition vous intéresse. Le marché est simple. Le bijou contre 10 000 kamas. Et votre vie. Je vous donnerai un faux bijou et vous donnerai à votre imbécile de chef. Non. Vous le regrettez. Faites-moi confiance. Non. 10 000 kamas, c'est rien. 10 000 kamas, ça pue. Tu m'aurais proposé 100 000 kamas, 500 000 kamas, je sais pas, j'aurais dit oui. 10 000 kamas, non. Alors... As-tu le bijou? Oui. Un Xelor a tenté de t'acheter le bijou et tu as refusé? Je savais qu'on pouvait te faire confiance. Voici 1000 qui m'a apporté récompensé de ton intégrité. Dis-moi quand le convoi pourra partir. Tu feras partie de l'escorte. Est-ce le moment? Oui. Tu vas escorter la caverne jusqu'à Astrub. Elle t'attend à la sortie sud. Des miliciens déguisés en marchands t'accompagneront. Bonne route. D'accord. Alors, deux secondes, mon chat a l'air de s'étouffer. Non, en fait, il a juste un rhume, d'accord. Oui, il éternue. Achoum, achoum, achoum. Pauvre chat. Pauvre chat. J'espère qu'il y aura à nouveau les bandits et que cette fois-ci, on va les défoncer. Bonjour, je suis un simple marchand faisant du commerce entre Bonta et Astrub. Le but est de se faire passer pour des marchands, pas pour des mendiants. Tu aurais pu demander à Meiro de te trouver une tenue décente. Enfin, de toute manière, il est trop tard. Nous devons y aller. D'autres gardes sont cachés dans les véhicules. Ils nous assisteront en cas d'attaque. Allons-y. D'accord.
Donc le même trajet, il semblerait. Elle est longue cette quête, elle est longue. Hein. Surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Comment ça s'appelle? De déplacement. J'espère que le combat est pas trop tard, que c'est pas vers la fin comme l'autre. Tom 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 tom. Et d'ailleurs, les gardes nous ont pas aidés la dernière. C'est plutôt calme pour l'instant, mais ne rangeons pas notre vigilance. Les gardes nous ont pas aidés la dernière fois? Comment ça se fait? Oh? Elle avait trois gardes? Elle est où l'aide? Oula! Y a un truc là. Elle a dit qu'elle demandait remboursement à Meiro. Donc si ça se trouve, les marchands sont avec les bandits. Non, le chat, s'il te plaît, casse-toi. Voilà. Il a envie de jouer. Donc après cette vidéo, j'irai jouer un petit peu avec lui parce que je suis un gentil maître. Hein. Voilà, je suis un bon maître. J'ai eu mon diplôme de maître au chat. Absolument pas. Oui, non, ça existe. Maître chat. Je sais pas. Il y a maître chien. Maître chat, ça doit être à peu près la même chose. Ah, 2 secondes. Alors, garde déguisé. Nous faisons une petite halte pour souffler un peu. Profitons-en pour reprendre des forces. Nous ignorons quand les bandits frapperont. Et mes autres comptes qui sont en inactif. Bon, why not? Oui. Il y a un RT pour gagner un havresac fin patraque. Moi qui comptais l'acheter. Moi qui comptais l'acheter, en fait, maintenant, je sais pas si je vais l'acheter ou si j'attends la fin du concours, sachant que j'ai très peu de chances de gagner le concours. Donc je ne sais point. Je ne sais pas, je ne sais point. Ce qui m'intéresse bien, hein, comme vous le savez, moi je suis très havresac. Malgré qu'en fait j'en ai pas acheté tellement sur l'officiel, j'étais surtout sur la bêta. J'ai pas trop d'idées en ce moment. Avec le fin patrack, je pense que je vais sortir une ou deux nouvelles vidéos quand même. Et d'ailleurs, je vais essayer de reprendre un petit peu les décos d'Abressac. J'aimais bien faire ça. Alors, Syria. Ah, c'est le moment. Hein. Plus ça va et moins je le sens. J'espère que les bandits ne seront pas trop nombreux. Bon, déjà, ils ont pas attaqué jusque-là. Ils doivent tendre une embuscade. Je ramène Syria en cas où après. Toum. S'il y a un combat. Hein. Non, il y aura un combat, non. C'est eux les bandits. Ils sont nombreux. C'est pas ici qu'il fallait aller? Ah, ils ont fait un petit bug. Ils ont décalé d'une case. Alors, les autres sont arrivés à Strup sans encombre. Aucune trace de Gloop, on dit. Je crois qu'on nous a fait chou blanc. Mince. Allez voir Améro. Non, il n'y a pas de combat? Je crois que ça valide ma théorie. Les bandits sont en complicité avec les. Comment ça s'appelle? Les marchands qui se font rembourser. Racontez la monotonie du voyage. Pas d'attaque? Alors je n'ai plus de doute. Quelqu'un de haut placé ici renseigne les bandits. Nous avons quelqu'un de corrompu dans nos rangs, c'est certain. Ils acceptent probablement des ponts de vin pour divulguer des renseignements secrets et pour faire stopper nos enquêtes. Ça expliquerait également la réticence du conseil à mettre un terme aux agissements de ces bandits. Ouais, bon bah Monta est corrompu, hein, ça change pas d'habitude, hein, ça a toujours été une ville corrompue jusqu'à la moelle. Donc sur ce, la vidéo est terminée, je vous souhaite une bonne journée à tous, c'était Tari, bisous bisous!